à toutes et à tous les amis, c'est Stevecraft. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Zelda Twilight Princess. Et donc là, bah, je vais faire la suite du truc là, avec avec le calife de lumière, essayer de récupérer, bah, de le remplir en haut max. Et bah voilà. Donc souvenez-vous, on en a déjà eu, mais j'ai pas réussi à le finir. Donc là, ben, je vais le finir. What? Il y a un petit bug. Je sais pas ce qui se passe, mais il bouge tout seul, donc. Voilà, parfait. Alors, oui, donc là, bah, je vais aller récupérer les autres. Ils sont dans quelle zone? Ah oui, ils sont là, mais je sais pas c'est où, moi. Oh, comment je... Ils sont pas dans l'eau non plus. Putain. Bon, bah... Et par où je vais là-bas? Oh, c'est chiant. Qu'est-ce que je fais? Ah, attends. Je sais pas où passer. Non, je me fermais. Eh, mais je me demandais. J'ai qu'à sauter là-bas. Ah non, je peux pas. Bon, bah. Bon, bah, je vais essayer de passer par là. Bon. Putain, mais je sais vraiment pas où aller. Putain, mais non, ils sont pas là-dedans. Qu'est-ce que je fais, moi? Sinon, je peux peut-être me téléporter. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais me téléporter. Ça peut peut-être être plus pratique. Je vais me téléporter. Alors, non. Donc, ouais, je vais passer par là et... Ouais, bah, de toute façon, ouais, faut obligé. Mais, c'est vraiment con, je sais pas où c'est qu'ils ont. Ok. Alors, bon, bah, allez, passons par là. Mais il y a un deuxième truc là, un passage en dessous. Ouais, bon, pas grave. Putain, c'est vraiment chiant. Alors. Mais. Mais non, ça sert à rien, je vais me retrouver là. Et après. Je sais. Vas-y. Monte. Voilà. Alors, déporte-moi. Non, pas là. Ah, là, ici. Ok, voilà, c'est là que je vais aller. Enfin, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, alors, donc, il faut que j'aille là-bas. Ok. Mais merde, parce que là, mais par où je passe? Putain, mais c'est chiant.
Ah putain, mais c'est con. Putain, mais ça me saoule. Ouais, bah non, ça sert à rien d'aller là-bas. Ouais, je sais. Ouais, bon, je vais me téléporter. Et donc je vais. Oups. Moi je retourne là. Oui, bon, bah je dois me téléporter là. Putain, c'est chiant. Alors. Alors, mais je pense avoir une idée, mais je pense avoir une idée, mais je sais pas. Ouais, bah non, c'est pas là. Putain, mais. C'est chiant. Hein? Ouais, je sais pas. Je pense qu'il faut les avoir avec l'espèce d'oiseau, mais je sais pas. Ok, donc là. Ouais, bon, bah, je pense que c'est ça. Ok, on va là. Oups. Au revoir, Link. Putain, mais merde! Oui, bon, bah oui, je vais réessayer. Ok. Génial. Alors, putain, mais je me souvenais plus du tout que c'était comme ça. Putain, la vache. Bon, bah, c'est cool. Mais je me souvenais plus du tout. Ok, un autre là. Ok, génial. Non. Ah oui, faut pas que j'aille sous l'eau là, ça me fait tomber. Ah non, non. Ok, en voilà une. Putain, merde, elle est où? Ok. Donc voilà, là je les ai toutes eues. Et il m'en manque plus que deux. Et je sais où elles sont à Hyrule. Tiens, prends un bain, Link. C'est marrant. Alors, ok, génial. Ouais, donc j'aurais. Je me souvenais plus du tout que c'était ça qu'il fallait faire. Bon, bah, c'est cool, mais. Donc maintenant, faut que je retourne à Hyrule, mais comment j'y vais? Oups. Comment j'y retourne? Oh, putain, ça fait chier!
Alors, il roule, il roule, il roule. Moi, j'avais sauté, mais pour remonter, comment je fais? Je peux pas me téléporter en plus, ça y roule. Bah merde. Oh, mais non! Non, je dois remonter là-bas. Quoique, non, en fait, je crois que. Alors, bon, bah non, c'est pas ça. Je dois retourner un machin là au domaine Zora. Putain, ça fait chier. Est-ce que aussi je dois tout redescendre, mais je dois pas prendre l'oiseau, l'espèce d'oiseau là. Et donc je dois continuer. Dans ma dernière vidéo, on avait vu des auras prendre un chemin et du coup je dois aller là. Enfin, dans ma dernière vidéo, non, j'avais testé le Zelda avec l'arbalète là. Ah oui, d'ailleurs, dites-moi si je devrais le faire en let's play. Moi, ça me déplairait pas de le faire. Je l'aime bien, je le trouve cool ce Zelda. En plus, c'est tous les endroits de Twilight Princess. Enfin, après, c'est vrai, il est chiant, il est dur, mais quand j'ai arrêté la vidéo, j'ai continué à jouer et donc là, j'ai réussi à avoir les 20 000. Et donc, j'ai joué aussi à deux et en fait, ça fait rien, faut passer en fait la manette à l'autre, à celui qui joue, le deuxième qui joue avec toi. Donc bah du coup c'est de la merde. Du coup si je fais des vidéos je les ferai pas à deux. Mais ah oui donc c'est là-bas. Oh non je vais pas passer par là. Ah bah si je suis obligé. C'est chiant. Il y a le courant qui m'emmène, c'est trop chiant. Je n'avance pas. Allez, avance! Ok. Donc voilà, là je dois passer là. Ok, plaine d'Hyrule. Donc dans les plaines d'Hyrule, il y a Hyrule. Oui, normalement. C'est logique. Alors, ah! Voilà. Ok, c'est là-bas, Hyrule. J'ai juste à suivre l'odeur d'Iria pour retourner à Hyrule. Donc après, pour plus tard, j'aurai d'autres odeurs à mémoriser, pas que celle d'Iria ni celle des enfants. Il y en aura plein d'autres. Il y aura même une odeur d'égout à retenir. Il y aura une odeur de saumon à retenir, enfin d'un poisson. Et ça, ce sera pour plus tard, ce sera pour aller chez les Yétis. Mais ça, on verra ça plus tard. Déjà, il nous faut les. Ah, cool, un téléporteur pour aller à Hyrule. C'est pratique. Putain, j'espère qu'ils sont pas 4. Ok, ils sont 3. Ah, lui, il est tout seul. Hop, toi je te bute. Aïe. Vous venez. Et bim. Et donc voilà. Donc un téléporteur pour Hyrule, vu que là j'en ai vraiment chié pour retourner à Hyrule. Mais du coup ça va être pratique. Ouais mais. Je sais plus c'est où à Hyrule. Ah si c'est bon, je sais. C'est bon. De toute façon, il y a sur la carte, on voit le petit point blanc donc. Ok, alors c'est là-bas. Et donc, on pourra se le transformer en humain. Alors,
Là-bas. Salut! Non! Arrête de me frapper! Voilà, ta gueule. Ah, mais il n'y en a pas d'autres. Il est où le dernier? Il est où le dernier? Qu'est-ce que t'as? C'est bizarre. Il en manque une. Où est passée la dernière perle? Quoi? Mais j'y étais allée. Pourquoi? Ah oui, donc oui, j'en avais parlé. Donc là, c'est le mini-boss, en fait. Je peux me téléporter là-bas. Donc il est assez simple. Hein. Donc c'est la dernière fois qu'on fait ça, ils nous mettent un petit boss comme ça. Donc ok, ouais, c'est là qu'il est. Voilà. Ce serait trop facile sinon. Ok, donc ouais. Par contre... Putain la vache. Ok, c'est le bas. Là-bas, là-bas. Voilà. Je sais plus comment le battre, mais je me souviens qu'il est facile. Il est facile, mais très moche. Ah oui, non, j'avais oublié qu'il était comme ça. Oui, il est vraiment peu, en fait. Ah! Quelle immonde chose! Ah, mais... Ça fait peur. Ok, je crois que c'est comme ça. Vite, vite, vite! Oh, merde! Voilà, ta gueule. Voilà, casse-toi, enculé. Oh non, 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 non. Où il est? Ah, le là. Mais qu'il est con. Ah! Mais non, mais c'est moi qui lui ai sauté dessus. Voilà. Tiens, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Mais quel gros boudin ce truc! Il me faut de la vie! De la vie! Non! Ok, c'est de la vie, ouais! Oups! Oups! Aïe! Ok, c'est parti! Défonçons ces petits trucs là! Ah mince, oui, c'est vrai, il faut faire comme ça! Et c'est parti! Oh, elle se fait victimiser, la pauvre! Et voilà! Ouais, c'était pas si compliqué, mais. Voilà quoi! Tout ça pour une simple petite perle de lumière! Voilà, enfin, on va se retransformer en loup. En humain, pas en loup. Et donc, c'est la dernière fois qu'on se retransforme en loup, mais on pourra encore se retransformer en loup. C'est vraiment pour après. Enfin, pas longtemps après, mais... on pourra se transformer quand on veut en loup, en fait. Ça va être pratique.
Ok, donc maintenant il me manque le cristal d'ombre. Oh, ce que c'est joli. Oui, bon, c'est bon, je connais. Eh, mais on reverra Iria. Oh. Waouh. Stylé. Mon nom est Lanel, oui, c'est bon, je te connais. Grâce à toi, les esprits de la lumière ont retrouvé leur place en le royaume d'Hyrule. Oh, toi, héros élu des déesses. Le sombre pouvoir dont tu es à la recherche, ces terribles pouvoirs reposent au sein du temple, au fond du lac, il y a. Oui, c'est bon, je sais, mais. Cependant, n'oublie pas ceci. Les déesses nous avaient confié la tâche de sceller ce pouvoir interdit afin que nul ne l'utilise. Oui, bon, je m'en fous. De toute façon, elle aura pas le temps de l'utiliser, Midona. What? Ah oui, je me souviens de ça. Donc ça, c'est les déesses. Il y a Faror, Dain, je sais plus les noms. Enfin, les trucs qu'on voit là, lumineux, c'est... Voilà. Oh, Iria. D'accord. Ah oui, elle est flippante cette vidéo, enfin flippante. Ouais, elle forme la Triforce à U3. Regardez bien Iria. C'est marrant. Donc voilà, et la Dark Link. Oh, je le trouve trop stylé, Dark Link. Mais sur ce Zelda, on n'aura pas l'occasion de le combattre. Mais je sais même pas c'est sur quel Zelda. Bah, je sais que sur Hyrule Warriors, il y est, mais... Mais je sais pas sur quel Zelda on le combat. Au revoir, Link. Ok. Voilà, les trois esprits, machin. Mais ça, c'est chiant. Je m'en fous pas mal. Ok, ça fait peur. Bon, pas grave. Alors, ah, on pouvait passer, oui, bon. Et c'est tout. Ok, alors, je vais regarder cette vidéo pour qu'il se casse à la fin, en fait. Il est parti. Bon. Ouais, si on veut. Alors, oui, donc le dernier temple, enfin, non, c'est loin d'être le dernier, mais celui, le dernier pour avoir le dernier cristal d'ombre, il se trouve au fond du lac. Mais je peux pas y aller maintenant. Il me faut l'objet. Ah bah cool, je vais aller à Hyrule parce qu'il y a plein de trucs à faire en fait. D'ailleurs, de toute façon, je suis obligé d'aller à Hyrule. Vous vous souvenez, le machin là. Il y avait Iria et puis elle était dans une taverne là. Dans une taverne, la taverne de Thelma, ouais, ou je sais plus quoi, là, le truc du genre. J'ai oublié le nom, mais peu importe.
Elle était là-bas et bah je vais y aller. Je crois qu'il faut que j'y aille, ouais. Qu'est-ce qu'il me veut? Ah merde, je peux pas me téléporter maintenant que je suis en humain. Mais comment je fais? Putain, si seulement Epona elle pouvait voler. Ce serait pratique. N'empêche. Youhou, je m'envole tout là-haut. Oh, un truc. Mais oui, je me souviens. C'est encore plus pratique que la téléportation. Non, c'est pas plus pratique, mais c'est plus marrant. Et c'est pas très souvent qu'on voit ça. Oh, un Zora. Bonjour. Je fais partie du fier peuple des Zora, gardiens du lac, il y a. Oui, je sais qui t'es. Alors, où est toi, là? Toi. Toi, le peu. Voilà, toi. Il est un peu taré ce mec, mais voilà. Hop. Voilà. Ouais, c'est assez con comme moyen de transport, mais voilà quoi. Ok, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Eh, en parlant de ça, je viens de me rappeler quelque chose. En parlant de quoi? Tu te souviens de ce que t'a demandé l'esprit de la reine des Zora? Ah, c'était son esprit! Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a que moi qui la vois. Alors, village, tu dois chercher mon fils qui a disparu. Ah oui, oui, c'est ce qu'elle a dit. J'ai cru que Midona avait un fils. Je viens d'apprendre, j'ai déjà fini le jeu. Et j'apprends que Midona a un fils. Ok, oui, je vais aller chercher son fils. Je me souviens où il est. Il est à Cocorico. Mais pour l'instant, on s'en fout. Ouais, je vais pas tout de suite aller à Hyrule. J'ai la flemme en fait. Mais. Ah oui, ça c'est trop marrant. Putain, ils ont vraiment des têtes bizarres sur ce Zelda. Enfin, déjà, non, Link, je le trouve stylé. Enfin, il y a aussi, mais vraiment, il y en a qui sont vraiment moches. Regardez-moi ce chapeau. Ce pantalon, il est trop moche. Non, je veux pas te parler. Mais c'est... Oui, c'est bien, ouais. J'aime bien ta tête. Non. Ta gueule. Casse-toi. Je peux te pousser. Ce serait drôle. J'en meurs d'envie, en fait. Bon, c'est pas grave, alors, oui, oui, donc, je vais arrêter cette vidéo, j'irai à Hyrule dans la prochaine vidéo, mais, je vais te prendre la poule. Et c'est vraiment con, parce qu'on a encore pas, pas Excalibur, mais vraiment, ce sera chiant pour avoir Excalibur, faudra faire un casse-tête, enfin, ce sera trop chiant. Bon, bon, je crois même que je vais couper la vidéo quand faudra le faire, hein, bien sûr, et que bah j'essaierai de finir parce que le casse-tête vraiment moi c'est pas mon fort et puis la première fois que je l'ai fait j'ai dû mettre plus de 2 heures. Bon bref, on s'en fout. Alors donc je vous dis salut et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.